Parcours intérieur, le podcast de la Fédération française de golf qui vous dévoile tous les secrets de la préparation mentale. Débutants ou joueurs confirmés, calmes ou colériques, nous avons tous un jour tremblé club en main. Mais que se passe-t-il là-haut, lorsque nous nous retrouvons seuls face à cette petite balle blanche? Comment expliquer ces moments d'euphorie et ces périodes de doute récurrentes sur les parcours? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série de podcasts consacrée au mental. Bienvenue dans Parcours intérieur. Lors de ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur l'intérêt de réussir sa routine. La routine, c'est cette habitude d'agir ou de penser, toujours de la même manière, quelles que soient les circonstances. Elle comprend donc des stratégies comportementales et cognitives, apprises et répétées, par moments même à la seconde près. Parfois originale, voire atypique, elle n'en demeure pas moins très personnelle. Une bulle privée, créée de toutes pièces, indéniablement présente chez les meilleurs golfeurs et trop souvent négligée par les joueurs amateurs. Alors, comment peut-on façonner sa propre routine pour qu'elle se révèle efficace pour chacun d'entre nous et qu'elle génère des coups de qualité garants de bons scores? Franck Rigol, préparateur mental au Centre de performance de la Fédération, va nous accompagner pour nourrir la discussion et nous aider à mettre en place une routine qui nous permette, nous aussi, d'enchaîner les bons coups. Une routine, ça peut vous aider à être plus précis et à être davantage concentré sur le shot. Ça peut vous donner aussi de la confiance, de tout le temps savoir que dans les moments de stress ou des choses comme ça, vous pouvez vraiment vous appuyer sur une routine et ça permet vraiment de s'engager à fond parce que on se dit ok, j'ai tout fait, j'ai fait toute ma routine, ma décision est claire pour le shot et j'ai juste à taper la balle quoi. Tout l'aspect réflexion c'est fait avant et je peux y aller sereinement. On vient d'écouter Valentin Luna, joueur du Centre de performance de la Fédération, nous parler de la routine et de l'importance qu'elle tient dans son jeu. Mais vous, Franck, en tant que préparateur mental, quelle est précisément votre définition ? Alors, avant de vous donner une définition de la routine, j'aimerais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre et de ce qu'a expliqué Valentin et revenir précisément sur deux points qu'il aborde. C'est un, l'engagement et deux, la précision, justement. Effectivement, l'objectif d'une routine, selon moi, c'est de déclencher le mouvement, c'est de se libérer le mouvement. Et donc, c'est une bonne routine, c'est de préparer à l'action. Et donc, c'est un engagement qui doit être fait ici et maintenant. Oui, alors encore une fois, l'ici et le maintenant, on en parle souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire ici, à ce moment précisément, là, en ce moment, comment je me prépare pour l'action. Dans ces conditions, comment est-ce que vous distingueriez alors la routine, des rituels et même de la superstition? La routine, elle est apprise. Donc, elle est entraînée, elle est répétée. Elle le finit par devenir automatique. Mais ce sont des gestes et des actions qui ont une efficacité. Parce que cette routine est préparée et entraînée, le joueur le fait parce qu'il sait que c'est efficace pour lui, à un moment donné, justement. Donc, à la différence de la superstition, on n'est pas sûr du travail. C'est une croyance rapide qui est faite à certains moments, mais en fait sans avoir été entraîné. Enfin, en quelque sorte, il n'a pas entraîné une gestuelle. Ce sont des mots ou des phrases qui nous arrivent comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi elles arrivent, quoi. Est-ce que c'est automatiquement négatif d'être superstitieux, d'avoir peut-être une pièce de monnaie dans la poche ou, voilà, est-ce que c'est... Non, vous connaissez des gens qui ne le sont pas. Il n'y en a pas beaucoup, finalement. Pas beaucoup, non. Et des golfeurs ou des sportifs en ont aussi, bien sûr. Ça les rassure. Après, c'est toujours pareil, les croyances ou les superstitions, les croyances surtout, c'est jusqu'à quel point elles me permettent de jouer et de libérer mon action. La plupart du temps, c'est des croyances qui sont en amont de la partie. Donc, c'est la façon de s'habiller, la façon de marcher, la façon d'être. Ce sont des petits gris-gris qu'on utilise avec soi. En golf, il existe plusieurs sortes de routines. Quelles sont-elles exactement? En fait, le joueur, et chaque joueur est vraiment tout à fait différent face à l'action.
Donc, dans sa préparation, il va amener des préférences, soit visuelles, soit kinesthésiques, soit un mélange des deux. Et donc, chacun va s'y prendre différemment. Et c'est ce qui va faire qu'il va construire sa routine et qu'elle sera la sienne et pas celle d'un autre. Parce que justement, ses habiletés, on parle d'habiletés mentales à ce moment-là, qui sont spécifiques et spécifiques à lui, elles ont été entraînées et elles font que ça crée sa particularité de jeu et de préparation. Donc il y a certaines personnes qui seront plus dans le visuel et l'imagerie et oui. D'autres qui seront plus fixer une cible, la gestuelle est importante, je fais trois pas, j'avance, je recule, etc. Oui, alors après, on voit tout un tas de façons de faire, mais elles sont dépendantes de ses habiletés. Oui. On a aussi tendance à penser qu'il n'existe qu'une seule phase à la routine. On pense souvent à la phase juste avant le coup, mais en fait, il en existe beaucoup plus. Oui. Vous allez peut-être parler d'un livre ensuite, là, je crois. Vous allez en faire référence, de Pia Nielsen, il me semble. Oui, tout à fait. Qui a parlé de ces trois temps, avant le shot, donc l'espace, un espace réflexion, puis ensuite un espace action, puis ensuite la post-routine. Moi, je pense qu'on peut parler aussi des moments qui précèdent la compétition, évidemment, la veille, l'avant-veille, et puis surtout un dernier temps au golf, parce qu'en fait, c'est une particularité très très forte de ce sport, c'est qu'on passe beaucoup de temps à attendre entre les coups. Et donc, pour moi, il y a vraiment des comportements, des actions, des gestions de pensée qui sont essentielles à ces moments-là. Oui, celle-là, elle est plutôt méconnue. Ben, on n'en parle pas assez, en fait. C'est-à-dire que si vous allez sur un parcours de golf, ou bien même à la télé, que lorsque vous observez des golfeurs, on vous montre que des coups, et des coups réussis d'ailleurs. Et ça, on en reparlera peut-être pour la suite, mais je trouve que ça a une incidence aussi sur les représentations que l'on a de ce sport. On sait bien aussi que les golfeurs, ils sont tous différents, et vous en aviez parlé un peu plus tôt. Donc, automatiquement, la routine, elle doit être très personnelle. Elle est très personnelle. Quand vous regardez, je ne sais pas, Dustin Johnson préparer son coup, ou Tiger Woods, ça sera différent d'un autre joueur. Si on les regarde avec attention, le temps de préparation n'est pas le même, la façon de se préparer n'est pas le même, la façon de se présenter à la balle non plus. Et tous ces éléments-là font qu'ils sont très individualisés, ce sont leur façon d'être, leur façon de faire. Parce qu'ils ont chacun leurs propres besoins, c'est essentiellement pour ça. C'est pour ça qu'on peut pas, qu'on a besoin d'individualiser. Je ne sais pas si c'est des besoins, mais en tout cas, ils ont des particularités. En tant qu'individu, en tant que façon d'être, en tant que anticipation des coups et prédiction des coups, qui font que leur gestuelle, leur façon de se présenter, leur façon d'être devant la balle est différente. C'est vrai que j'ai à l'esprit le jeune Américain de 21 ans, Matthew Wolf, qui a quand même une pré-routine assez incroyable avec son mouvement d'ouverture des hanches vers l'objectif juste avant d'enclencher son backswing. Ouais, c'est vrai. C'est assez étonnant. Mais on en voit souvent des techniques comme ça. Alors souvent, on va parler de drill. C'est des joueurs qui travaillent techniquement énormément et qui amènent sur le terrain, à un moment donné, un drill qui leur fait du bien et qui leur permet justement de déclencher, on en parlait tout à l'heure, et d'engager le swing. On va écouter désormais la jeune amateur Lucie Malchiran, qui participait à son premier Open de France en septembre dernier. Voici ce qu'elle déclarait juste après le premier tour, où elle occupait la tête du tournoi. J'étais super stressée au départ de jeu, je commençais avec un double, donc bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'est juste de faire le meilleur que je pouvais, de taper shot après shot et de rester concentrée sur ça, et pas le prendre comme un tournoi du let, mais plus comme un tournoi habituel, quoi. Donc au début, j'ai un peu de mal, mais après, ça va, j'ai réussi à rentrer dans mes routines et tout, et je suis vraiment contente. Que veut-elle dire, Lucie, par « rentrer dans mes routines » et finalement, quels sont les objectifs d'une routine efficace? Là, en fait, elle commence par expliquer qu'elle a mal commencé, et qu'elle a mal commencé à cause de l'enjeu. C'est son premier tournoi professionnel à ce moment-là, je crois, c'est le let. Pour elle, c'est un tournoi qui est forcément avec un enjeu très fort. Et il y a beaucoup de distractions à ce moment-là. Et beaucoup d'émotions, surtout. Beaucoup d'émotions, ouais. Et moi, c'est une jeune fille que je connais un petit peu et donc que j'ai suivie depuis qu'elle a 13 ans et qui a beaucoup, beaucoup progressé justement sur sa gestion des émotions. Et le fait de pouvoir, à ce moment-là, avoir l'intelligence à cet âge déjà de revenir sur des routines travaillées et établies, c'est vraiment super. C'est bon signe. Donc, c'est déjà gérer le stress,
se débarrasser de, d'éventuelles pensées parasites. Mais c'est aussi, je suppose, optimiser la concentration, justement, dans un moment fort comme ça. Exactement. En fait, comme elle le dit, elle revient à ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a entraîné. Donc, elle ramène sa concentration sur ce qui fonctionne pour elle. Et ce qui a été formidable, après ce qu'elle dit, c'est qu'elle a réussi à retrouver de la confiance pendant la partie, ce qui est extrêmement difficile. Ben, en fait, en se ramenant à des actions, des micro-actions qui l'amènent à l'action du swing, qu'elle connaît, qu'elle maîtrise à ce moment-là, elle fait, à mon avis, de meilleurs coups. Et elle se voit faire de meilleurs coups, reprend confiance au fur et à mesure, et en plus peut se libérer, quoi. Et donc c'est une très très bonne chose de golf. C'est pas étonnant qu'ensuite elle ait la capacité de faire un score comme elle l'a fait ce jour-là, parce que c'est une performeuse, cette jeune fille. Et d'un point de vue technique, quels sont également les objectifs d'une routine efficace? Est-ce que le fait justement de toujours refaire la même routine vous donne un espèce de rythme à votre swing, mais aussi du rythme pour ne pas accélérer entre les coups? Par exemple, on s'énerve, on a fait un mauvais trou, on quitte le green un peu rapidement, on arrive au départ et hop, on loupe le drive. Est-ce que justement la routine vous empêche aussi, d'un point de vue donc technique, de faire ça? Alors, elle a tellement d'avantages, cette routine, justement. Là, vous parlez de différentes routines. Vous parlez de la routine de jeu, puis ensuite, vous parlez de la routine entre les coups. Là, pour le coup, on a un besoin d'avoir des repères précis, comportementaux et de gestion des pensées sur des moments, justement, qu'on va retrouver au golf. À quel moment je dois marcher lentement ou, au contraire, accélérer ma marche. Je dois respirer davantage parce que je sens que je pars de tous les côtés, que mes pensées, je ne les maîtrise plus. Tout ça, selon moi, ce sont des actions qui ont été... Enfin, elles sont répétées, elles sont entraînées. Et pour ça, on va aider le joueur à les matérialiser, en fait. On va mettre des espaces. Quand on vous écoute, il n'est pas possible aujourd'hui d'être performant sans avoir de routine, alors? Non, je ne vois pas comment c'est possible. Et donc, cette routine, à quel point est-ce qu'il faut la travailler? Et j'ai envie de vous poser la question, s'il faut beaucoup la travailler, est-ce qu'il faut aussi la travailler dans tous les compartiments du jeu? Si on entre un peu dans le détail de la routine, on va se rendre compte que ce sont des habiletés qui la composent. On va parler de visualisation, de gestion de l'activation, d'attention, ou même de points d'attention. Et donc, ce sont ces éléments-là qui vont être entraînés et travaillés spécifiquement. Et ils vont composer la routine, qui sera donc individuelle et très très spécifique pour chacun des joueurs. Donc oui, elle se travaille beaucoup. Je vais vous donner un exemple, une anecdote là. J'ai eu la chance d'aller à Portmarnock, jouer sur ce parcours fabuleux. À Dublin en Irlande. Exactement, dont est membre Harrington. J'étais avec des amis, et puis ils me disent, regarde, derrière nous, là, j'ai l'impression que ce swing, là, je le connais, quoi. Et il tape fort, le gars. En fait, c'était Padraig Harrington, qui était derrière nous, qui jouait avec le meilleur joueur du club et qui faisait un match. Et si vous aviez eu, si vous avez des images de lui lors du British, qu'il gagne, et si vous l'aviez vu là à ce moment-là, vous auriez vu que la démarche, la façon de marcher, le rythme de marche, la préparation, puisqu'on l'a laissé passer devant nous, et sa routine était strictement la même. Au point de, à un moment donné, sur ce par 3, on l'a laissé passer, je le filmais, il fait sa routine de putting. Au moment de jouer, s'arrête, certainement distrait par soit un de mes potes ou bien je ne sais qui, ou je ne sais quoi, et reprend sa routine et la refait, comme il l'aurait fait en plein championnat. Donc oui, la routine, elle se travaille à tout moment, et ces champions-là le font, mais avec énormément de rigueur et d'exigence. C'est amusant parce que votre anecdote, moi je me souviens, quand j'étais sur le circuit européen, Annika Sørenstam, donc la numéro 1 mondiale aux 89 victoires dans le monde quand même, elle était connue pour avoir une routine qui durait précisément 24 secondes. Oui. Alors, quelle est l'importance d'être aussi précise? Elle est d'origine suédoise, donc on sait que les Suédois sont plutôt très précis. Mais à ce point, c'est incroyable. C'est pas surprenant, en fait. Parce que quand vous entraînez, et que vous entraînez votre corps à répéter une action des milliers de fois, ce que font ces champions, à un moment donné, il y a une cadence, un rythme qui s'impose, qui est le sien. Et donc, elle n'a pas essayé de faire son swing ou sa préparation en 24 secondes. C'est que ça s'est imposé, en fait. Au fur et à mesure, totalement naturel. Exactement. Au fur et à mesure de son travail, elle a épuré les gestes, les actions, pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel a fait chez elle 24 secondes. Et c'était tellement ancré qu'elle n'avait rien d'autre à faire que de le répéter. Comment est-ce qu'on peut travailler sa routine? Qu'est-ce que vous suggéreriez? Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, d'abord, j'aimerais qu'il imagine et qu'il consacre son temps d'entraînement en trois phases.
La première phase, et c'est celle qu'on voit le plus, c'est la phase mécanique, le travail sur le swing. C'est vrai que ça fait rêver un swing, mais beaucoup de temps, les gens consacrent beaucoup de temps à ça. Mais j'aimerais qu'ils consacrent davantage de temps aussi au jeu, à savoir aller au practice avec une intention, une cible précise, et puis le club pour aller à cette cible, et donc apprendre à jouer. Je veux juste revenir sur votre intention au practice avec une cible. C'est ça qui va permettre d'arriver sur le parcours avec une seule pensée ? Ben, en fait, c'est comme ça que vous allez vous habituer à vous entraîner, et, précisément justement à cette routine. C'est comment on fait sur un parcours ? On a une balle, on a une cible, et on a un seul shot. Et donc, à l'entraînement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous ai parlé de la deuxième phase, c'est le jeu. Et la troisième phase qu'on voit très rarement à l'entraînement, c'est une phase de performance, d'entraînement à la performance, en respectant, justement, sa routine sur chaque coup. Comment on l'entraîne ? On commence comme ça. Concrètement, en matérialisant un espace, en précisant une cible et en essayant de l'atteindre. Et en changeant de cible à chaque coup. J'aimerais quand même revenir aussi sur l'importance de la visualisation et de l'imagerie dont on entend beaucoup parler. Comment est-ce que les golfeurs donc, qui nous écoutent pourraient utiliser ça à bon escient ? La visualisation ou l'imagerie, c'est encore une fois une habileté qui permet d'être complètement concentré et connecté, alors connecté à la cible et concentré sur ce qu'on a à faire. Ça ne vient pas tout seul, elle s'entraîne. Il faut l'entraîner. Alors, il y a beaucoup d'exercices que moi, je pratique avec les jeunes. Ils ont ces habiletés tout petits, hein, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Donc, le premier exercice, c'est de les amener à prendre conscience de ces habiletés-là. Et puis ensuite, de petit à petit, les amener sur le terrain pour les utiliser, les pratiquer avec de plus en plus de maîtrise. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de l'importance des techniques de respiration. Parce que ça, on a l'impression que c'est accessible, qu'on pourrait le faire. Oui, exactement. Et puis, c'est fondamental, en fait. Que ça soit avant une partie de golf, la veille, le matin, pendant la partie, c'est un outil que moi j'utilise énormément et que les sportifs utilisent énormément. Il suffit de regarder à la télé les sportifs entre deux coups, ils font des longues phases de respiration. Mickelson en a parlé il n'y a pas si longtemps. Il avait découvert cet outil-là qu'il n'utilisait pas suffisamment et s'est rendu compte que Tiger l'utilisait énormément. Donc oui, il faut l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser, cette respiration. Et c'est quoi ? C'est 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, inspiration, pause, respiration. Qu'est-ce que vous conseilleriez ? On arrive au départ du 1, on a une compétition importante de club. Qu'est-ce que vous suggéreriez ? Au départ du 1, en général, le stress monte, donc la fréquence cardiaque augmente. On respire un peu moins bien. Et si on veut se calmer, il suffit de faire ce petit travail de respiration diaphragmatique. On compte 4 secondes d'inspiration. On pose 2 secondes. Puis ensuite, on souffle pendant 5 à 6 secondes. Et en faisant descendre comme ça sa fréquence cardiaque, on va se calmer. Ça va réduire le stress. Et j'aimerais revenir avec vous aussi sur les mauvais coups. Donc, la post-routine. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on vient de faire une soquette il faut marcher 80 mètres et on est dans cette spirale négative et il faut s'en sortir. Qu'est-ce que vous suggéreriez ? On sait que c'est un sport de frustration. C'est un sport qui est difficile et il est difficile d'accepter à certains moments de faire des mauvais coups. Or, pour moi, ma définition du sport, du golf, c'est apprendre à rater de plus en plus près de la cible. Donc déjà, si on a on est dans cet état d'esprit et cette démarche, on va accepter davantage de ne pas être toujours... Et on se met beaucoup moins de pression aussi. En fait, mais la fixation d'objectifs est tellement importante. Il y a un manque de connaissance de soi, parfois, qui fait qu'on a une exigence qui est beaucoup trop haute et on n'accepte pas les mauvais coups. Et est-ce qu'il peut y avoir des mots-clés qui vous permettent de sortir de cette spirale négative, justement ? Oui, s'ils ont été entraînés, ils peuvent vous aider. Par exemple, alors, si vous avez tapé un bon coup, qu'est-ce que vous suggérez ? Les joueurs marquent les bons coups. Et donc, soit par un geste, soit par un mot, qu'ils se rappellent, en fait. Et après un mauvais coup, il y a différentes façons de faire. Donc là, pour rentrer dans un... je peux vous donner une anecdote aussi d'un jeune garçon avec lequel je travaillais, qui avait énormément de problèmes de gestion émotionnelle après les mauvais coups. Et donc l'exercice, en l'occurrence, c'était de noter sur un carnet précisément les mots qui lui venaient après les mauvais coups. Donc ce faisant, on prend du recul par rapport à ce qui se passe et par rapport à ses émotions. On prend conscience de ce qui arrive. Ce n'est pas des phrases magiques qu'on va se répéter. Au contraire, on apprend à se connaître en faisant ce petit exercice. Et couplé à un autre exercice que je lui demandais, c'était d'observer son divot.
À ce moment-là, il prenait du recul par rapport à la sensation, à l'émotion qui était vraiment très forte. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de se détacher. Quoi. Exactement, et ça lui permettait de se détacher. Mais ça, c'est une technique très... C'était pour lui, quoi. Est-ce que, sur le coup, il peut exister des routines, finalement, qui nuisent à la performance parce qu'on devient trop mécanique et que la part instinctive, elle disparaît? Vous avez entendu ou vu les dernières déclarations de Jordan Spieth? Je suis enfin sorti du tunnel, je ne suis plus dans la mécanique, je peux rejouer au golf. Donc, il y a une espèce de lâcher prise, en fait. Exactement. C'est-à-dire que la difficulté de ce sport, c'est qu'on est tellement perfectionniste, on veut tellement bien faire, tellement maîtriser ce que l'on fait, qu'on finit par ne plus penser qu'à ça et on ne peut plus jouer au golf. En parlant de grands champions, on se souvient Curl Woods, le père de Tiger, qui était très en avance sur la préparation mentale. Il souhaitait donc préparer Tiger à toutes sortes de situations, et notamment aux cris de spectateurs pendant, le swing. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant, ça, de le travailler peut-être avec des jeunes que vous accompagnez? Oui, les meilleurs sportifs sont toujours ceux qui se préparent au pire. Et ils s'entraînent au pire. Ils s'entraînent dans l'inconfort, ils s'entraînent dans la difficulté, ils s'entraînent à justement gérer ces moments un tout petit peu, soit délicats, soit imprévisibles. Des bruits qui arriveraient de manière impromptue au moment du swing, on sait que ça, c'est très gênant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sentent, les golfeurs, sur le parcours ou en compétition, que la routine, elle déraille du fait de l'environnement extérieur, des enjeux, des émotions Si elle déraille, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Et donc, ils n'ont pas assez travaillé. Et, ben voilà, tout simplement, elle n'est pas prête. Et c'est un bon moyen pour eux de savoir qu'il faut continuer à bosser et à l'améliorer ou la faire évoluer pour qu'elle puisse tenir sous pression. Et si elle est improductive, on se rend compte qu'elle est improductive, elle n'est pas assez efficace. Mm-hmm. À quel moment, dans une année, le golfeur devrait la changer? Il n'y a pas de règle, en fait. La plupart du temps, les champions vous diront « Moi, je l'ai créée, ça m'a mis des années pour la créer. » Dubuisson le dit. Il m'a fallu des années pour créer cette routine. Et ensuite, je ne la change plus. Par contre, je l'entraîne chaque jour. Mais c'est tout ce que vous disiez au début, un travail régulier, constant. Exactement, avec une évaluation permanente de sa routine. Donc le conseil que je peux donner, c'est de se filmer. C'est d'abord d'observer les joueurs qu'on apprécie, d'observer leur routine et de les copier. Puis ensuite, c'est de se filmer et de s'observer justement, observer sa routine. Et ça permet de se rendre compte, de prendre conscience de ce que l'on fait. Il y a certainement des gestes inutiles, par exemple, et pour la rendre efficace, il faut aller à la simplicité. Pour terminer, j'aimerais revenir sur l'ouvrage dont vous avez parlé au début de notre conversation. Cet ouvrage fondamental coécrit par les deux psychologues Pia Nilsson et Lynn Marriott, qui ont notamment entraîné 9 vainqueurs de majeurs. Le livre s'intitule « Chaque coup doit avoir un objectif », paru en 2007 aux éditions Albin Michel. Et pour les anglophones, j'aimerais également recommander leur publication plus récente « Be a Player », éditée en 2017 par Atria Books. Deux publications vraiment remarquables. Merci Franck de nous avoir apporté votre expertise sur l'importance, trop souvent négligée, de mettre en place une routine efficace. Merci Christelle. Il ne nous reste plus qu'à mettre en application vos conseils pour réaliser de bons coups et au final un bon score. D'ici là, bon parcours intérieur.